le prince Nikolai, un prince européen rebelle d'origine chinoise, qui a choisi la gloire sur les podiums plutôt que le trône, gagnant le titre de « dieu masculin » que les filles européennes veulent le plus épouser. De quitter la famille royale pour devenir un modèle emblématique pour Burberry et Dior. Alors, comment s'est déroulée sa vie? Et qui est la fille chanceuse qui a gagné le cœur du prince? Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « s'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Bienvenue dans le pays magique du Danemark, un charmant pays nordique avec une histoire fascinante et une famille royale captivante. Le Danemark est rempli de magnifiques paysages et de châteaux dignes d'un conte de fées, et c'est un endroit où les vieilles traditions se mêlent harmonieusement à la vie moderne. Au cœur de ce pays envoûtant, vous trouverez la famille royale danoise, dont la lignée remonte à plusieurs générations. La famille royale danoise est dirigée par le roi Frédéric et sa gracieuse reine, Margrethe II. Les gens au Danemark les adorent pour leur élégance royale et leurs sourires amicaux. Ce ne sont pas seulement des leaders, mais aussi des symboles chers de solidarité et de tradition pour le pays. La famille royale participe activement aux œuvres de charité, promeut la culture, l'art et la durabilité. Cela en fait des modèles non seulement pour le Danemark, mais aussi pour les personnes au-delà des frontières du pays. Lorsque vous explorez la culture unique du Danemark, vous verrez que l'influence de la famille royale va au-delà de leur impressionnant palais. Toute la nation se réunit pour célébrer des occasions spéciales, comme de grands banquets d'État et des défilés colorés avec un fort sentiment d'unité et de fierté. Malgré leur statut royal, la famille est terre à terre et se connecte avec son peuple, faisant en sorte que chacun se sente comme faisant partie d'une grande et royale famille. L'un des jeunes membres de la famille royale qui a attiré l'attention est le prince Nikolai. Nikolai est né en 1999, au sein de la famille royale danoise. Son père, le prince Joachim, est le deuxième fils de la reine du Danemark. Et sa mère, Wen Yali, est la première princesse chinoise en Europe. En tant que petit-fils aîné de la reine, Nikolai est le suivant dans l'ordre de succession au trône, ce qui lui donne un avantage significatif. Mais la vie de famille de Nicolas n'a pas toujours été facile. Ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 6 ans. Malgré leurs efforts pour devenir coparents, le divorce a eu un impact sur Nicolas, le rendant plus rebelle et moins intéressé par les chemins traditionnels. Au début, Nicolas a montré une grande promesse sous les attentes de la famille royale. Il excellait dans divers sports comme la natation, le ski et le rugby, et il réussissait également sur le plan académique. Il a même eu l'opportunité d'être DJ sur une émission de radio danoise. Après avoir terminé ses études secondaires, Nicolas a rejoint l'Académie de l'armée royale danoise, comme l'avait prévu la famille royale. Avec son parcours, Nicolas a plusieurs options pour son avenir, y compris une éventuelle carrière dans l'armée ou les affaires. Nicolas a pris une décision surprenante lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Il a choisi de quitter la famille royale et toutes ses responsabilités, choisissant plutôt de poursuivre une carrière de mannequin. Certains pensent peut-être que c'est similaire à des enfants de riches qui travaillent juste pour l'expérience, sachant qu'ils peuvent toujours compter sur la richesse de leur famille. Mais Nicolas prend sa carrière de mannequin très au sérieux, et il connaît en réalité un grand succès dans ce domaine. Son père soutient même son choix. Nicolas est exceptionnellement beau, étant la seule personne de sang chinois qui est aussi belle. Grâce aux bons gènes de ses parents et ses antécédents royaux, il a eu un bon départ dans la modélisation. Il a décroché sa première grande opportunité lorsque Burberry l'a invité à son défilé, et il a impressionné tout le monde avec sa figure et son apparence, gagnant le titre de « le prince le plus désiré des filles européennes ». Il a ensuite commencé à défiler pour de nombreuses marques de luxe. En 2023, quelque chose d'important s'est passé au Danemark. La reine Margrethe II a fait une annonce qui a secoué le pays. Elle a dit que le prince Nikolai ne serait plus appelé prince. Pourquoi a-t-elle fait cela? Eh bien, il s'avère que le prince Nikolai voulait avoir une vie différente, loin des affaires royales. La reine a pensé qu'il était préférable de le laisser choisir sa propre voie, sans les responsabilités royales. Elle voulait aussi qu'il puisse subvenir à ses besoins financiers, sans dépendre de l'argent de la famille royale. Cette décision a fait beaucoup parler. Certains étaient d'accord avec la reine, pensant que c'était la bonne décision pour que le prince Nikolai ait une vie normale. D'autres n'étaient pas du tout d'accord.
disant que c'était injuste pour lui et pourrait nuire à la famille royale danoise. Plus tard, le nouveau directeur créatif de Dior l'a remarqué et l'a embauché comme mannequin prestigieux d'ouverture et de finale. Nicolas gagne maintenant beaucoup d'argent et apprécie son succès. En fin de compte, être beau peut en effet être gratifiant, surtout lorsqu'il est combiné avec un travail acharné et du talent. Voici donc la question. Qui est la fille chanceuse qui a gagné le cœur du prince? La réponse est son camarade de classe, Benny. Le père de Benny est le président d'une banque danoise. Elle vient donc d'une famille riche. Elle et Nicolas se connaissent depuis le lycée et ont développé une relation. Au début, ils ont gardé leur relation secrète, mais en grandissant et en parlant de mariage, ils sont devenus plus ouverts à ce sujet. Ils passaient du temps ensemble, faisaient du shopping et leur amour a grandi. Cependant, lorsque les nouvelles de leur relation sont sorties, les gens n'ont pas offert leur bénédiction. Au lieu de cela, ils se sont moqués d'eux. Certains ont critiqué l'apparence de Benny et l'ont comparée à la mère de Nicolas, disant qu'elle ne ressemblait pas à sa petite amie. Mais le véritable amour ne se mesure pas à l'apparence ou au statut social. Tant que le prince Nicolas aime Benny, c'est tout ce qui compte. Même la mère de Nicolas, la princesse Wen Yali, a approuvé leur mariage, ayant elle-même connu des difficultés dans sa propre quête d'amour et de mariage. La vie de la princesse Wen Yali est une source d'inspiration. Elle a excellé dans ses études dès son plus jeune âge, a étudié à l'étranger dans divers pays et parle plusieurs langues. L'amour ne connaît pas de frontières, et cela ne dépend pas de la vie des autres. Nicolas et Benny ont trouvé le bonheur ensemble, tout comme l'avaient fait ses parents lorsqu'ils se sont mariés, malgré toutes les critiques auxquelles ils ont été confrontés. Wen Yali a divorcé en 2005 et a reçu une grosse somme d'argent et un manoir. Après avoir pensé qu'elle pourrait rester célibataire, elle a surpris tout le monde en épousant un jeune diamantaire 2 mois plus tard. Mais ce mariage n'a pas duré non plus. Quelques années plus tard, Wen Yali a divorcé à nouveau, affirmant qu'ils avaient des valeurs différentes. Elle avait déjà 51 ans à l'époque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle se préoccupait de l'amour à son âge, elle a répondu qu'elle préférait être célibataire plutôt que d'abandonner la vie et l'amour qu'elle désirait. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Nicolas ne veut pas être roi et préfère une carrière de mannequin. Les mariages de ses parents ont peut-être exercé une influence sur lui, et il n'avait pas confiance en les mariages royaux. Il a donc choisi de fréquenter un camarade de classe et de suivre une carrière de mannequin qu'il adore à la place. Maintenant qu'il est indépendant, certains pourraient penser que c'est un meilleur choix. Le prince Nicolai a choisi un chemin qui s'est éloigné de sa lignée royale, embrassant une carrière de mannequin et l'amour en dehors de son cercle social. Nos choix définissent-ils vraiment notre bonheur, ou est-ce que les normes sociales continuent à influencer nos décisions? Quelles leçons pouvons-nous tirer du parcours du prince Nicolas? Avez-vous déjà dû prendre une décision allant à l'encontre des attentes sociétales ou des traditions familiales? Partagez vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés.